Qu'est-ce que c'est que cet état? N'êtes pas folle. C'est pas de la folie, ça? C'est la lettre adressée par une jeune femme artiste peintre, Blandine Solange, à son psychanalyste avant de se tuer. Elle revient sur ce qu'a été sa vie. Elle dit d'ailleurs à son analyste des choses qu'elle ne lui a pas dites. Hé, vous! Vous n'êtes arrivé à rien! Transfert, je l'emmerde le transfert, je vous désirais charnellement. Cette alliance entre la séduction et son art m'a absolument fasciné. Déshabiller des hommes. Faire de la séduction même une action artistique. Les observer sous toutes les coutures. Comment avez-vous pu me relâcher dans la ville? Les forces surnaturelles se concentrent là. Il y a le théâtre, il y a les arts plastiques et il y a aussi ce qu'on appelle les performances, qui consistent dans une mise en jeu du corps de l'artiste. J'ai l'impression que je dormirai plus. Toutes mes phases maniaques sont des performances. Quelle est cette foutue force qui me pousse à dépasser la normalité, votre normalité? Je vous dis qu'il y a un problème. C'est une zone à risque. C'était une artiste justement extrême. Nous avons pris le risque de monter ce texte. Il faut que les spectateurs prennent le risque de cette représentation.